Bonjour. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? J'aimerais avoir des informations à propos des spécialités de votre université. Veuillez passer, s'il vous plaît, chez madame Naenohra, la directrice du bureau d'orientation et d'admission. Elle vous donnera plus d'informations. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Je m'appelle Alex. Pourriez-vous me donner quelques informations concernant les filières existantes? Bienvenue à l'UPA, Alex. Merci. Alex, afin de t'aider un tout petit peu à choisir la filière qui corresponde le mieux à tes intérêts, à tes préférences, je vais te présenter nos facultés et nos instituts. Je vais commencer par la faculté d'ingénieur en informatique, multimédia, systèmes, télécommunications et réseaux. Cette faculté assure aux étudiants, à l'issue de 5 ans d'études, une formation solide facilitant leur insertion professionnelle et la pérennité de leur futur poste d'ingénieur. La faculté de santé publique, quant à elle, comporte 2 départements. Le département des sciences infirmières offre des programmes de premier et de second cycle. La variété des stages hospitaliers et extra-hospitaliers proposés aux étudiants, ainsi que les collaborations internationales, constituent sa valeur ajoutée. Le département de physiothérapie propose un programme professionnel de base en langue anglaise, englobant des participations aux cours, des travaux au laboratoire et un accès libre aux salles de pratique. La licence est obtenue après 4 ans d'études. Passons à la faculté de gestion des affaires avec ses 2 sections française et anglaise. Elle délivre 2 diplômes, licence et master, BBA et MBA, en banque et finance, marketing, comptabilité et audit. La faculté de publicité et médias propose 4 options. Publicité, radio et télévision, audiovisuel et art graphique. Cette faculté offre des programmes de premier et de second cycle. La faculté des sciences théologiques et des études pastorales inclut l'Institut de formation des formateurs. Ces 2 entités ont pour objectif de former des spécialistes au service de l'Église et de la société. L'Université Antonine a 3 instituts. L'Institut d'éducation physique et sportive offre plusieurs parcours. Licence d'enseignement, diplôme d'études approfondies, diplôme d'entraîneur sportif et diplôme européen de préparation physique. Cet institut se démarque par la richesse de ses infrastructures. L'Institut supérieur de musique est une unité d'enseignement et de recherche universitaire qui offre 5 parcours de spécialisation couronnés par des diplômes de licence universitaire, licence d'enseignement, maîtrise, en plus du diplôme d'études approfondies. L'Institut universitaire de laboratoire dentaire assume une double responsabilité, former et informer. La licence est obtenue au bout de 3 ans d'études. À noter qu'un centre de formation 4CAM Céramil pour le Moyen-Orient et l'Asie Pacifique a été créé au sein de l'UPA suite à une coopération avec la société austro-allemande Amann-Girrbach. À savoir qu'il existe un règlement intérieur qui représente le moyen de vivre dans le respect de la société universitaire et de soi-même. Du point de vue académique, toutes les procédures et règlements sont gérés par le secrétaire général. Ah, Patricia! Bonjour, madame. Bonjour, Patricia. Patricia est l'une de nos étudiantes. Patricia, je peux te demander une faveur? Sûrement. Peux-tu accompagner Alex au bureau du secrétaire général? Bien sûr. Alex, avant de partir, et en cas tu as choisi de poursuivre tes études chez nous, voici le guide qui résume toutes les facultés ainsi que les conditions d'admission et voici le dossier de candidature à remplir. Merci. Bonjour père. Bonjour Alex. Afin de promouvoir un climat de rigueur et d'équité, l'Université Antonine met à la disposition de ses étudiants et chacun selon sa spécialisation un livret d'accueil précisant leurs droits et leurs devoirs. Ce document est destiné à les accompagner tout au long de leur parcours universitaire. Il contient le calendrier de l'année académique en cours, le programme des études, les syllabies et surtout le règlement intérieur qui guide l'étudiant durant toute sa formation universitaire. Et tout ceci en conformité avec la mission et les valeurs de notre université.
L'université Antonine a une double mission, une mission académique de par son identité d'université libanaise privée et francophone. Cette identité l'invite en permanence à réviser et à améliorer le niveau de ses programmes de formation, toujours en conformité avec les normes académiques nationales et internationales, ceci avec un contrôle interne d'assurance qualité. L'autre versant de notre mission émane de notre identité d'université catholique Antonine. Elle est enracinée dans la tradition monastique tricentenaire de l'ordre Antonin Maronite. Ainsi, notre université veille sur l'éducation de l'homme dans toutes ses dimensions, l'initiant aux valeurs chrétiennes, principalement le respect de l'autre, l'amour de la patrie, la culture de la paix et de la justice. Notre étudiant demeure notre raison d'être. Merci, Père. Pour votre temps et vos clarifications. Toujours le bienvenu, Alex. Oh. Ici à la bibliothèque, tu peux avoir accès à tous les livres et les références indispensables. Tu peux aussi avoir accès en ligne aux outils de recherche nécessaires. À la cafette, on passe la plupart du temps libre entre les séances. C'est un endroit anti-tabac, comme tous les locaux de l'université. Tu sais, l'ambiance ici est très conviviale. Tu as été convaincu pour y retourner. C'est exactement le cas. À l'année prochaine.